Good morning, allez, Eden, mais tu seras aujourd'hui le Nishmat, à moi, Mirna Ben Khanda, Peggy Batester, Zra Bat Mazal Tov Shishbordu, Simon Bat Leoni, Michel Novikov, Vassili Rufouat, Ruth Bat Kolodin Traina, et Simcha Bat Masoudi, Bitor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous débutons aujourd'hui le 5e Pereg de Shavuot. Shavuot Apikadon, Noheget Ba Anashim, Uva Nashim, Barechokim, Uva Krovim, Bakshirim, Uva Psulim. Bifne Bedin, Meshalo Bifne Bedin, Mipi Atzmo. מפי אחרים, אינו חייב עד שכבר בבית דין דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים, בין מפי עצמו, בין מפי אחרים, כיוון שכפר בו, חייב. וחייב על זון השבוע ועל שגילתה, עם זדון הפיקדון, ואינו חייב על שגילתה. ומחייב על זונה, אשם בכסף שקלים. משנה, très simple, qu'il faut introduire d'abord en remémorant ce qui se passe depuis le troisième perek. Dans la Torah, la Torah a condamné juré à tort ou à faux. Il y a plusieurs circonstances dans lesquelles la Torah elle a donné des halakhot particulières. On a jusqu'à maintenant, dans chacun des prakim, depuis le troisième perek jusqu'à la fin de la Maseret, on va parler d'un nouveau type de jevoua, de serment. On a parlé dans le perek shlishi de jevoua de bitouille, celui qui jure de lui-même. On a parlé aussi de la jevoua de chav, celui qui jure quelque chose d'insensé pour le certifier, pour le nier au contraire. Dans les deux cas, c'est ce qu'on appelle la jevoua de chav. Depuis le Perek d'Alet, on a commencé à parler de Shvuat et Edout. Cette fois-ci, ça devient un serment, mais de Ben Adam la Chavero, qu'un homme peut imposer à quelqu'un d'autre. Je sais que tu connais un témoignage pour moi, je t'impose de venir témoigner, et que sinon tu transgresses à l'interdit du voie, tu dois certifier que tu affirmes que tu ne sais rien, tu dois le certifier en jurant au Bet Din. Ça, c'était la Shvuat et Edout. À partir du 5e Perek, on va parler de la Shvuat à Pikadon. Shvuat Apikadon, c'est celui qui jure qu'il n'a pas de dépôt. Soit quelqu'un affirme qu'il a déposé de l'argent chez moi, qu'il m'a confié de l'argent à garder, et je nie. Donc il va pouvoir m'assermenter avec la Shvuat Apikadon. Et la Mishnah donc va nous expliciter chacun des cas à qui incombe cette transgression de Shvuat. Quel type de korban il va être chayav lorsqu'il transgresse, de quelle manière on est chayav, de quelle manière on est chayav si on jure. Comme ça va être le même parallèle en fait que ce qu'on a vu dans la je crois que c'était la première Mishnah du Perek Gimel, si je ne me trompe pas. Avec la première Mishnah du Perek Gimel, non, c'était pas la première Mishnah du Perek Gimel. Bon bref, peu importe, c'était une autre Mishnah où il y avait là-bas Nogaté, au contraire, c'était la fin du Perek plutôt du Perek Gimel. Il y avait comme ça la Mishnah Yud et Yud Aleph avec Issenoeg, et puis après on avait commencé la Perek Dalet en précisant cette fois-ci pour la Shvuat à Edout qui sont les personnes concernées par cette Shvuat. Donc maintenant on va commencer la Shvuat à Pikadon en nous apprenant à qui incombe, qui transgresse l'interdit violent de la Torah de jurer à faux lorsqu'il va nier avoir eu de l'argent en dépôt chez lui. D'accord ? Quelqu'un affirme que j'ai déposé, je nie, il peut m'assermenter. Et selon le cas, alors est-ce que je suis passible d'un corban ou non si je transgresse? La Mishnah nous enseigne Shvuat Apikadon, le serment du gage, du dépôt, quelque chose qui a été déposé chez moi. Noheget, elle est d'usage, Ba'anashim ou Ba'anashim, chez les hommes comme chez les femmes, à la différence de la Shvuat Aedout, qui ne concernait que ceux qui sont cachers pour témoigner, donc les hommes et pas les femmes. Là, cette fois-ci, la Shvuat Apikadon, elle s'applique sur tout le monde, sur les hommes comme pour les femmes. Barichokim ou Bakirovim. Qu'il s'agisse d'un proche parent, d'une personne qui est loin d'abord, qui est éloignée, ou bien qu'il s'agisse même d'un proche parent. Malgré tout, je peux la sermenter. Et Bakshirim ou Bapsulim, qu'il s'agisse même aussi de quelqu'un qui était kasher l'aïdout, ou quelqu'un qui est pas sous l'aïdout, malgré tout, je suis en droit de le faire jurer. D'accord ? Il y a une petite nécessité à préciser ça. Alors, Roth, le Tiferet Israël, évoque le cas. On aurait pu croire qu'une femme, puisqu'elle ne peut pas de toute façon payer, étant donné qu'une femme, elle n'a pas de biens qui lui appartiennent, tout appartient à son mari, et peut-être que finalement, elle va décéder avant son mari. De ce fait, jamais elle n'aurait dû passer à la caisse, d'accord ? Et d'alors, Roth particulière, idem avec les Krovim, peut-être que ça peut être mon proche parent, que de toute façon, je vais l'hériter d'ici quelques minutes, il ne se sent pas tellement en forme. Et bien, malgré tout, on est passible de jouer à Tapigadon si j'ai nié avoir de l'argent. On va tout de suite s'arrêter là. Avant de continuer la suite, on va ouvrir dans les psukim histoire de découvrir quelque chose d'important qui va nous aider ensuite à mieux comprendre la Mishnah. On va devancer en fait la Mishnah en découvrant à l'intérieur des psukim là où la Mishnah va nous, les informations que la Mishnah va poser. D'accord ? Pour rappel,
On est dans le cinquième pérek de la paracha de Vaïkra, un chumash Vaïkra, ouais. Et là-bas, ce pérek, il est en fait séparé en deux parties. Dans la première partie du pérek, il va y avoir tous les korbanes olev et yored, qu'en fait on a évoqué du début de la maseret jusqu'à maintenant. On a parlé de celui qui est juré pour la shvuat haedut, il devait apporter un korban khatat, nefesh ki techeta, veshama kolala, veoued oraa oyada. Ou bien il y avait encore celui qui rentre au Beth Amikdash Tamé, ou il y a celui tout simplement qui va jurer on nefesh qui tishavali vate bisvataim, le hara ou le tiv, le cholacher vate adam bishvoa. Et là-bas, c'était la notion de la shvoa de bitouille. Pour tout cela, la Torah l'a condamné à porter un korban ole veyored, qui est un korban khatat, dans son essence khatat. Il doit être apporté comme un khatat. On expliquera après quelle est la différence entre un khatat et un sham. En tout cas, la Torah l'avait donné la possibilité de l'apporter. Soit Mikisba ou Seira, une femelle, une brebis, ou bien s'il est pauvre, il pourra apporter Torim ou Bnei Yona, des oiseaux, et s'il est vraiment pauvre, il pourra même aussi apporter un korban, une mincha, d'accord, une mincha tzolet. Ça, c'était pour la première partie du Perek, les transgressions qu'on a évoquées, donc Jouva Taïdout et Jouva Bitouï, pour ce qui nous concerne. À partir du Pasuk Chaf, la Torah nous dit comme ça. Il y avait au milieu quelque chose d'autre, mais ce n'est pas la peine de le... Donc, Pasukra, « Vaïdaber Hashem al Moshe le mort, nefesh ki tishava, o ma'ala bo ma'al b'Hashem v'kichesh ba'amito, b'pikadon, o b'itzumet yad, o b'gazel, o ashak et amito, o matzav edav v'kichesh ba'am, v'nishba al shaker, o al achat, mikol asher yaseh adam lachato bahena. V'haya kicheta v'Hashem, v'yishiv et ha'gazel asher gazel, o et ha'oshek asher ashak, o et ha'pikadon asher ofkad ito, o et ha'veda asher matza. » Et ensuite, le pasuk nous dit « Oh, mikol asher shaveh alav la sheker, v'shilam oto berosho v'chamishita v'yosef alav la sheker v'lo itenu b'yom hashmato. » On parle ici de quelqu'un qui nie avoir de l'argent de son ami. Quelqu'un a déposé de l'argent chez moi. Ça pouvait être, il y a plusieurs termes explicités, on les redécouvrira dans la prochaine, dans la Mishnah Gimel, plutôt dans notre Perek, où là-bas on a parlé que ça peut être un picadon, un dépôt de soumettia d'un prêt d'argent. Gazelle, c'est qu'en fait je lui ai volé quelque chose. À chaque étamito, je lui ai un peu forcé la main à le vendre. On sera sachir plutôt, c'est Rachir rapporte. On parle qu'en fait, il a travaillé chez moi, je ne lui paye pas sa paye. Ou bien Matsa Aveda, plusieurs cas de situation où en fait, j'ai de l'argent chez moi que je dois en théorie à Réhouven. Et Réhouven, il me le réclame et moi je lui dis non, je te dois rien. Donc je nie. S'il me fait jurer, ouais, on apprendra dans le prochain Perek que je ne suis pas obligé de jurer. Ça, ce sera le sujet du Perek Vav, quand on apprendra la Shuvat Adayanim, qui est la même, avec une petite nuance quand même. En tout cas, pour le moment, de moi-même, pour attester ce que je dis, regarde, je te jure que je ne te dois pas. Et donc, je jure comme il faut, en tenant un Sefer Torah en main, ou des tefilines. On évoquera tout ça dans les détails. Et je jure, et en fait, je suis en train de nier l'argent. Et bien, la Torah m'enseigne que « Ve'aya ki echeta ve'hachem » lorsque je refautais qu'après, je serai culpabilisé, et je voudrais faire tshuva. Alors, la Torah me dit « Ben, ve'shiv et ha'gzela asher gazal, o et ha'oshek asher ashak, o et ha'pikadon asher ofkadito » Je devrais lui rendre ce que je lui ai nié. D'accord ? J'ai nié avoir pris ce livre, donc je dois le lui rendre. Il coûte 100 shekels. Et la Mishnah, la Torah m'enseigne, et attention, tu devras aussi, Vachamishita, Yosef Alav, je rajoute le cinquième du prix, ça coûtait 100 shekels, je devrais lui rajouter un cinquième, qui va donc faire, vous allez me dire bien sûr 20, en réalité c'est 25, on aura l'occasion d'en parler. D'accord, mais en tout cas, je dois lui rajouter un cinquième, et en plus de ça, après apporter un korban Hacham. C'est plus un khatat. Dans la première partie du Perek, c'était un khatat, maintenant c'est Hacham. Différence essentielle entre le korban khatat et korban Hacham, le khatat, on prend son sang, on le fait monter en haut de l'autel et le Kohen devait déposer son sang sur les quatre coins du Mizbeach. Il faisait le tour là-bas, il y avait le Kevesh, la rampe qui faisait le tour du Beth Amikdash tout en haut et il faisait le tour et chaque fois qu'il arrivait à un coin du Mizbeach, il devait prendre avec son doigt, la main droite, et il déposait du sang en haut. Tandis que le Korban Hacham, on le en bas du Mizbeach, il le prenait dans un kli, dans un mazrek, et il le jetait à deux endroits afin de couvrir, à l'angle exactement, afin de couvrir les quatre coins. Il devait le jeter dans le coin exactement, ouais, plutôt, d'accord, dans le coin. Et il le jette comme ça, de manière à ce que ça touche
cette face et cette face, et comme ça il va de l'autre côté, il le fait. C'est ce qu'on lit, pour ceux qui lisent les korbanot le matin, hein, que dans les hachamot, on met le sang, que les matanot elles sont shtaim, shen arba, tandis que dans les chataot, on raconte là-bas, la bakavesh, vous faites la soda, vous voyez le kérum d'omit mizachit, mizachit svonit, svonit maravit, maravit romit, et comme ça il fait le tour du misbeach. Ok, on a conclu maintenant la shvuat à Picadon. Et maintenant, on va découvrir dans notre Mishnah. Non, il me manque un petit détail, désolé. C'est qu'il y a un point à rappeler. Pour rappel, de manière générale, lorsqu'on jure, c'est personnel, je jure, je décide de jurer, je dis que je jure que je ne t'ai pas volé. On avait découvert que je ne suis pas obligé moi-même de prononcer cette phrase « je jure que je ne t'ai pas volé ». Mais il est possible que quelqu'un d'autre m'assermente et qu'il me dise « si tu ne m'as pas volé, je t'impose par l'interdit de Issour Jvoa que tu attestes que tu n'as pas volé. » Et alors là, selon ma réponse, c'est ce qu'on va appeler... il est possible que je vais être considéré comme si j'ai juré de moi-même. Si j'ai répondu « Amen », ouais, « Amen Zo Jvoa », si j'ai répondu « Amen », ça veut dire « ce que tu le dis, je l'accepte. Ça, » je deviens maintenant un « Nishba Mipi Atzmi ». Et si toutefois, une fois qu'il me réclame mon argent, je ne fais que de lui nier et de lui dire non, je ne t'ai pas volé. J'ai pas dit le mot shvoa, c'est lui qui a prononcé le mot serment, shvoa. Et moi, j'ai fait que de nier ensuite en lui répondant. C'est ce qu'on appelait shvoa mipi acherim. La shvoa mipi acherim, elle n'est pas dite dans la shvoa tapikadon. Elle est plutôt explicitée dans la shvoa taedut. Là-bas, on apprenait veshama kolala. Que je transgresse sur le fait d'avoir juré à tort uniquement parce que j'ai entendu un serment, sans avoir moi-même prononcé la shvoa. D'accord ? Eh bien, ça va être le sujet tout de suite de notre Mishnah, avec quelque chose d'intéressant. D'abord, on pose la discussion. On rappelle d'abord, pour la shvoa taedut, parce que ça va être là la source de notre limoud, c'est pour la shvoa taedut, la Torah, elle a dit que tu jures, que tu... Je peux jurer que je ne connais pas de témoignage de moi-même, ou je peux être assermenté par quelqu'un, et après qu'il ait affirmé qu'il a lui-même explicité le fait qu'il m'impose de témoigner en jurant, alors je nie ensuite, et ce qu'on appelle « shvoa mipi acherim » par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Dans la shvoa taedut, il y a quelque chose de particulier, c'est que je ne suis chayab sur la shvoa taedut quand je prononce la shvoa. Alors quand je prononce la shvoa de moi-même, je suis chayab même à l'extérieur du beddin, même si j'ai prononcé la shvoa à l'extérieur du beddin, à l'intention que je suis venu nier à l'intérieur du beddin. C'est une discussion, mais comme ça c'est la vie de chachamim. Mais pour Mushba Mipi Acherim, lorsque quelqu'un d'autre prononce la joie à ma place, celui qui me réclame la joie me prononce la joie à ma place, alors là, cette scène-là, c'est explicite dans la Torah, c'est forcément, ça se lit comme ça dans la Torah, que ça ne se passe que si je suis au Bet Din concrètement en train de nier. D'accord ? La joie tapikadon, il y a une Xera Shava qui va nous dire ce qui se passe dans la joie taedut, tu l'appliques dans la joie tapikadon. Donc dans la joie tapikadon aussi, tu peux transgresser l'interdit de shvoa de deux manières. En jurant de toi-même, je te jure que je ne t'ai pas volé. Ou en étant mushba mipi acherim, quelqu'un d'autre m'assermente et me dit, je t'impose par un interdit de shvoa d'affirmer que si tu as de l'argent à moi, que tu me le rendes. Et moi je lui réponds, je ne te dois rien. J'ai transgressé en cela l'interdit de shvoa. La question de notre Mishnah maintenant sera de savoir, est-ce que quand je suis mushba mipi acherim, ça peut être même à l'extérieur du beddin ou à l'intérieur du beddin? La source, origine, elle se passe dans la joie taïdout, où ça doit être forcément au beddin, parce que, pour la joie taïdout spécialement, le problème il est de nier un témoignage, de te rendre pas saoul à témoigner, puisque tu as affirmé que tu ne connais pas le témoignage. Donc ça doit être produit nécessairement au beddin, dans la joie tapikadon. Le fait, le problème il est que simplement tu nies que tu me dois de l'argent. Ça peut même être réalisé même à l'extérieur du beddin. La question sera juste de savoir, est-ce qu'on fait, lorsque j'apprends quelque chose d'une Xera Shava, est-ce qu'on appelle Don Mina ou Mina, ou Don Mina ve Ukebatra? Tu prends la source telle qu'elle et tu l'appliques ici, avec les mêmes conditions originelles. Ou bien, tu prends le principe, tu l'appliques ici, mais tu l'adaptes selon l'endroit où tu apprends. Et regardez comment ça se passe. Bifne. Alors la Mishnah maintenant continue à nous préciser dans quelle situation on est chayav lorsqu'on transgresse la Shvoa Taedut. La Shvoa Tapikadon. Bifne beddin, vesholo bifne beddin, mipi atzmo. On transgresse cet interdit, on ne sera pas si d'un korban, que l'on soit devant le beddin
ou shelo bifne bedin, même à l'extérieur du bedin, si on est mipi atzmo, si tu jures de par toi-même. Par contre, ou mipi acherim, si tu te fais assermenter par quelqu'un d'autre, toi tu ne prononces pas le mot je vois, mais uniquement tu nies après que l'autre t'ait assermenté. Ou mipi acherim, eno chayav achikfor bo bedin. Il ne sera passible du korban que s'il nie à l'intérieur du bedin. Bien qu'en théorie, on n'a pas besoin d'être dans le bedin, puisque même piatsmo, ça se passe à l'extérieur du bedin. Le problème est que tu me dois de l'argent, je te demande de me le rendre, et tu me jures que tu me dois pas de l'argent, donc ça nous concerne entre toi et moi. Malgré tout, Rabbi Meir nous dit, c'est vrai, mais étant donné que Mushba, l'alakha de pouvoir être assermenté par quelqu'un d'autre, tu la portes de la jvoa ta edout, don mina ou mina, tu la juges d'elle à elle, telle qu'elle, comme tu l'as vu là-bas, tu l'appliques ici, puisque dans la jvoa ta edout, ça devait être nécessairement au beddin. Alors, même dans la jvoa ta pigadon, ça sera que si ça se produit au Bet Din aussi. Divrei Rabbi Meir, tel est l'avis de Rabbi Meir. Par contre, Vachachamim Omrim, Chachamim pense que non. Ben mipi atzmo, ben mipi acherim, que tu prononces la jvoa de toi-même, ou bien que tu te fasses assermenter par quelqu'un d'autre en niant, kevan shekafarbo chayav. Par le simple fait que tu aies nié le fait que tu lui dois de l'argent, tu seras passible, même si tu étais à l'intérieur du Bet Din ou à l'extérieur du Bet Din. Parce que Rami pense qu'on fait don mina ve'oke be'atra. Juge d'elle, apprend la halakha depuis la jvoa ta edout, certes, mais uke be'atra, ta'amid etze bimkomo. En araméen, ça se traduit. Donc ça nous fait établis-le à sa place, comme selon les règles de l'endroit où tu apprends. Ouais, tu te sers de la jvoa ta edout pour apprendre une notion, mais une fois que tu l'apportes dans la jvoa ta pigadon, tu l'appliques selon les données de la jvoa ta pigadon, et puisque la jvoa ta pigadon, t'as aucune nécessité d'être devant le bedin, donc tu seras passible même mipi acherim à l'extérieur du bedin, d'accord. À part ça, maintenant, notion très facile jusqu'à la fin de la Mishnah, de chayab al zdon hajvoa, particularité, tu es chayab, puis étant donné que la Torah ne m'a pas dit vene à l'âme, que tu as oublié, donc tu es chayab d'apporter ce korban hacham, même si tu étais mézid, tu savais que c'était interdit juré, et malgré tout, tu as juré à tort, tu as voulu lui voler l'argent clairement, et malgré tout, dans plusieurs korbanot, il faut forcément être shogeg, avoir une petite erreur, ne pas connaître tous les détails, et maintenant, là, tu seras chayav du korban, et aussi, valashigigata imzdona pikadon. Et aussi, tu seras chayav, si tu étais partiellement shogeg, mais pas complètement, tu étais quand même, ça veut dire que tu étais shogeg sur l'interdit de jurer à tort, tu pensais que c'était pas bien, mais pas que c'est un grave interdit de jurer à faux, mais tu étais zadon sur le picadon. Mais tu étais bien conscient que tu étais en train de lui mentir, que tu avais le picadon, le dépôt chez toi, et que tu l'as nié malgré tout. Par contre, veno chayav al shigigata, par contre, si tu as complètement oublié l'interdit de jurer, ou même mieux encore, tu as complètement oublié que tu lui devais de l'argent et tu as juré à tort, sache que ça ne s'appelle pas une transgression de jvoa, une notion qu'on a déjà apprise dans les perakim précédents, surtout dans le perak shlishi, tu n'étais pas Adam bijvoa, tu n'étais pas interdit de jurer à faux, c'est quand tu mens, quand tu sais que tu mens. Mais si tu es persuadé que ce que tu affirmes est vrai, alors, et que tu jures, et qu'il s'avère en fait qu'après tu te souviens que tu t'es trompé, bah t'as pas transgressé l'interdit de jvoa, d'accord ? Et non, chayav al shigigata, tu n'es pas passé d'un korban si tu as été shogeg. Fin de la Mishnah nous enseigne. Qu'est-ce qu'il sera condamnable? Qu'est-ce qu'il devra porter comme korban quand il sera sur son zadon, sur le fait qu'il était bémézide, qu'il a consciemment transgressé l'interdit? Hacham bekesef shkalim. Cette fois-ci, ce sera un korban hacham. Avec en plus de ça, il y a une particularité, lorsqu'on apporte un korban hacham, la Torah l'a explicité pour certains korbanotes, quelle est la valeur minimale que tu dois payer pour pouvoir apporter ton korban hacham? En l'occurrence, cette fois-ci, kesef shkalim, ça va nous faire 2 shekels. D'accord? Je ne sais pas combien ça fait. J'imagine que si le machatzit à shekel, cette année, il était à l'équivalent d'une vingtaine de shekels plus ou moins, eh bien, ça va nous faire que kesef shkalim, 2 shkalim, ça va faire l'équivalent de 80 shekels. D'accord? Bon, un petit mouton à 80 shekels, ça va. C'est très raisonnable. En tout cas, voilà, la Torah a incité sur le prix à avoir. On fait à présent le Bartenora. Et attention, c'est un korban hacham, pas un khatat, d'accord? À la différence de la Shuata Edout et Shuata Pitoui, qui étaient tous les deux des korbanot khatat. On fait à présent le Bartenora, Shuata Pigadon, le serment des gages, des dépôts, ba'anashim ou ba'anashim, chez les hommes et chez les femmes. Ba'edet datanaël. Pourquoi tu répètes cette fois-ci toute cette lourdeur de Mishnah? Alors il nous explique le Bartenora. Ba'edet datanaël, Shuata Edout, ba'anashim, ba'anashim, puisque dans la Mishnah de la Shuata Edout,
tu as besoin de préciser quel est d'usage chez les hommes et pas chez les femmes, parce que les femmes ne peuvent pas témoigner, alors Tananami, Achal et Koulou, c'est pour ça qu'on a besoin de reprendre toute la série. Histoire, comme on a déjà dit, pour garder le parallèle, avoir une Mishnah, que chaque fois qu'on va changer le titre, on va reprendre les mêmes notions, les mêmes cases, pour dire cette fois-ci ça oui, ça non, même si des fois, on va se mettre à remplir des cases qui servent à rien, que c'était d'une évidence évidente, que tu allais être condamnable, malgré tout, on l'a précisé, histoire d'avoir le même parallèle, d'accord ? Bakorovim, elle est d'usage aussi chez les proches parents, chez Balapikadon Karov, les Echa Pikadon Atzlo, que celui qui détient le Pikadon, le gage, le dépôt, est un proche parent de l'autre. Bifne Beddin, Meshalo Bifne Beddin, que tu. Donc si tu jures de toi-même, tu seras passible du Korban, que tu juges devant le Beddin, ou même pas devant le Beddin. Si il juge de lui-même, qu'il a lui-même prononcé le mot « shvua », je jure, ou bien « oshana amen » ou bien que tout simplement il a répondu « amen » après qu'il était assermenté. Mais le fait d'avoir répondu « amen » fait qu'il devient comme si il avait lui-même prononcé la « shvua ». Alors dans ce cas-là, « achayav korban » il sera passible d'un korban, dirtiv, « vikichesh ba'amito » Dès que tu auras nié, même si tu étais à l'extérieur du Beddin. Par contre, ou Mipi Acherim, si tu jures, tu te fais assermenter, donc toi tu ne prononces pas le mot Shvua ou Amen, mais tu ne fais que nier après qu'on t'ait assermenté. Veloana, mais il n'a pas répondu Amen. Kigon Mashbia ni Alecha, Shitanzir li Pikadon, Vahamar, Enecha Beyadikloum. Par exemple, il a juste nié après que l'autre l'ait assermenté. Et donc, Hayav Achikvor Bebeddin, il ne sera passible du Korban que s'il a nié au Beddin, tel est l'avis de Rabbi Meir. Les Chachamim ont dit l'alakha ki Chachamim, l'alakha l'établi comme Chachamim. Le Bartonois ne nous a pas rapporté le fameux sujet de Don Mino Mina, Don Mino Vokebatra. On l'a expliqué, en fait, il l'a rapporté dans le Tosot Yom Tov, au Tifra d'Israël, dans la Gemara. D'accord ? Les Chayav al-Zdon HaJvoa, il est passible s'il était méside sur sa joie, qu'il a consciemment transgressé l'interdit de joie. Delo Kativ Ba Deloktiv Venelam. Il n'est pas écrit là-bas dans la Torah qu'il sera passible du Korban que si Venelam, qu'il a oublié. Zdon HaJvoa, alors maintenant il explique. C'est quoi le Zdon HaJvoa, d'être méside sur la joie? Chez Zachour à la Pikadon. Il sait, il se souvient que le Pikadon, le dépôt, il y a eu un dépôt. Et malgré tout, il le nie. Veyoda, Shinitrayev, Al-Kfirato Korban. Et il sait pertinemment qu'il est passible d'un Korban s'il ment. Malgré tout, il sera passible du Korban. D'accord? Ou bien, Veyoda, Mzdon HaPikadon. Ou bien encore, s'il était Shogeg, par inadvertance, il a eu un oubli. Mais qu'il était Zadon sur le Pikadon. Il était conscient qu'il avait le bien. Soit. Genre, il était en train de mentir à faux, en sachant pertinemment que l'objet, il est chez moi, mais malgré tout, je me suis dit, ça va, c'est pas grave, ouais. Donc, j'étais shogeg sur l'interdit de joie, malgré tout, je suis passible d'un korban hacham. Et quelle doit être la valeur de ce korban hacham? Bekesef shkalim, une valeur d'argent de shkalim, soit akanui bishtei islaim, qui doit être acquis avec deux slimes, une valeur minimale de deux slimes. D'achiktiv gabe eil à Hacham. On doit apporter, c'est comme ça que c'est écrit pour le eil à Hacham. Entre parenthèses, même, un autre détail, une différence entre un khatat et un Hacham, que le khatat, il vient de qui il vient. On doit apporter une kisba au Seira, une brebis, des moutons ou des chèvres, d'accord? Mais, tandis que le Hacham doit venir d'un eil, un bélier, qui est déjà adulte, et masculin. Des adjectifs gabé eila hacham berkecha kesef shkalim, comme c'est écrit explicitement dans la Torah, que tu devras apporter le korban qui va faire un kesef shkalim, et c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite plein de hatzlacha kol tovu, salam.